Ah, par contre, bah, on il était est là. encore de nuit, oui, c'est vrai. Ouais. Ah, oui, c'est juste là, ok. Je suis tout le temps nuit. Souvent, ouais. Eitor veut que je trouve le meurtrier de Lucas. C'est seulement après qu'il m'aidera à aller au centre. Tu fais ses sales besognes ? Bah, c'est sans surprise. Il m'a dit de commencer par le bazar. J'ai compris. Les pacificateurs et le bazar se détestent vraiment. Seules deux personnes sont importantes au bazar. Et l'une est ce prédicateur pompeux, Karl. Je sais ça. Qui d'autre ? Sophie, son bras droit. Elle a un don avec les âmes les plus rebelles du bazar. Ça l'aide à garder le contrôle. Il y a aussi Dodger, un truand du coin. Il sait pas mal de choses. Qui, quand et avec qui. Et les bandits de Joe. Mais ils évitent les pacificateurs. Ok, je vais parler à Sophie et tu t'occupes de Karl. Oui, il y a pas mal de monde. À moins que tu préfères la fille. Sophie ? C'est pas vraiment mon genre, tu sais. Et obstiné. Tu verras. Allez, c'est parti. C'est parti, on y va. Ah, non, ok. Je crois qu'il y avait un autre truc. Du coup, ça va être retour au bazar, j'imagine. Interroger Sophie à propos de Lucas. Allez, retour au bazar, on a un petit chemin à se taper. Ouais, bon, après, il fait nuit, mais bon, dans 2 heures, après, c'est bon. Donc, on peut se permettre... Je sais pas si quand t'allumes ta flashlight, il y a plus de risques de te faire voir ou je pas. Je n'ai pas l'impression, mais... Du coup, j'ose jamais l'allumer, je vais pas te mentir. Ah, j'allume toujours, moi. Ah ouais ? Oui. Ah, moi, j'ose pas. Oh là là, regardez là. Incroyable. Dans son environnement naturel. Tu m'as bait. Ah ouais. J'ai sauté à droite, j'ai sauté. Oh, oh bah oh non. Non bah non bah non. Oh bah oui bah. J'arrive. Merci. Il était beau ton binôme. Soir. T'as vu ça. Aïe. Mais non. Tu fais mal. Ah putain. Mais toi ça t'a pas tué. Non, mais en plus, j'ai pas sauté. Merci beaucoup. Oh, je te jure. Je monte vite, hein. Ouais. J'entends des bruits bizarres derrière moi. Ouais, ouais. Aussi. Je veux pas passer dans la bâtisse, ça me fait peur. Ah, quoique, il y a un coffre. Il y a des coffres, mais bon. Bon. Ah ouais? Si. Si tu passes dedans, je passe avec toi. Hein. Bah, j'arrive pas à... Ah, ça y est, à scanner. Je vais me heal un coup parce que je me suis fait mal quand même. Je comptais pas passer dedans, mais tu m'as dit il y a des trucs. Alors, je me suis dit... Vaut mieux c'est les récupérer. Aller y aller dedans, en fait. Au début, je me suis dit, je vais pas aller dedans. Et là, je t'ai vu rentrer. J'ai fait bon. On peut bien faire un petit détour de 2 secondes. Il y a un logo de trophée qui bouge là-bas à droite. Ah ouais ? Ouais, 100%, ça, c'est un zombie spécial, tu sais. Ah, c'est peut-être les coureurs, tu sais, les. Je sais plus leur nom là. Ah, il y en avait un par là, mais il a disparu. Attends. Mais pourquoi elle marche pas cette tyrolienne ? Oh là là ! Y'a pas de tyrolienne ! Mais moi y'en avait une ! Mais il est disparu. Ok, j'y suis. Ah voilà, 50 mètres, il est là le. Le zombie spécial. Attends, t'es où ? Ah oui, non, t'es de l'autre côté, ok. Ah, mais moi je suis à la quête. Ah, je suis allé au zombie spécial du coup. Ah. Ah, et là on a nos bonus! Trop bien! Oui. Bon bah attends, je reviens là. Oui, bah de toute façon, le zombie spécial, on n'arrivera pas à l'attraper. Hein. Bah si, j'y suis. Oh, mais il faut le buter après! Ah bah là, je pense que c'était large faisable. Hein. Je pense que là, j'avais juste à donner quelques coups, c'était bon. Bon écoute, si on en recroise un par la suite. Si ça se trouve, ils ont rien demandé en soi, les gars. C'est peut-être des mecs. Ils se baladent juste et puis ils sont en mode bon, on en a marre, nous. Surtout des mecs qui nous donnent des bonus pour améliorer nos armes. Ouais, bon, là, dans ce cas-là, ça se discute, mais ouais.
Je sais pas si t'as la possibilité de te TP sur moi. Parce que moi, ça me le met quand je suis trop loin de toi. Ah, bah j'ai... Ah, mais je peux pas rentrer parce qu'il y a un mec devant, là, what? Ah, mais moi, je fais... moi, je suis pas là. Attends, t'es où? Fais le tour. Ah. Moi, je suis à la porte d'entrée. Oui, moi aussi. Coucou. Il y a plusieurs entrées, en fait. Ah, moi, je suis celle-ci. Mais sauf que l'autre, il y a un mec devant, ouais, du coup, tu peux pas. Allez. Eh, hey, t'es qui toi putain? Du calme chef, c'est pas un pacificateur. Qu'est-ce que t'en sais? Il rôde sans arrêt dans les parages. C'est l'étranger, le pèlerin. Hein? Il vient de l'extérieur? Bordel de couilles. Je sais pas ce qui t'amène ici, mais fais gaffe à tes fesses pèlerin. Et n'approche pas des pacificateurs, ils sont potes avec personne. Cette fois avec un biomarqueur. Ah! Ah là, tout de suite, j'ai le droit. Il conduira lui si tu passais par là. Il voudrait se présenter. Ça le change de vouloir me pendre. Et souviens-toi, l'humanité a créé une civilisation qui s'est avérée être un colosse sur des jambes d'argile. On peut pas commettre les mêmes erreurs. Il voulait pas, mais il était obligé. T'étais une menace pour tout le monde. Bien sûr. Bien sûr, oui. Écoute-moi, oui. Les idéologies prêchées par les imbéciles qui appellent à la reconstruction. Il n'y aura pas de reconstruction. Oh non. Ah, j'ai vu. Qui aurait pensé? Un pèlerin au bazar. Bienvenue. Ouais, toujours en vie, malgré tes efforts. Ah, je vois bien que tu m'en veux. Mais tu comprendrais si t'étais à ma place. On est responsable de la protection de la communauté. Et on fait ça sérieusement. C'est pour ça qu'on a réagi comme ça. J'espère que tu nous pardonneras. Alors, dis-moi, comment ça se passe dans le monde extérieur ces jours-ci? Ok, bon du coup j'ai un dialogue. Donc ça t'a quitté, c'est ça? Ouais. Je vais juste finir le dialogue. Et bah, à la limite, je t'enverrai dans tous les cas le rush. Parce que bah, je pense que je suis obligé de finir ce dialogue, quoi. Bah oui, oui, j'ai vas-y, pas retiré le cut. Mais je t'enverrai mon rush. De toute manière, c'est un dialogue. Dans tous les cas, tu. Dans tous les cas, c'est la même scène qu'on verrait tous les deux, donc c'est pas gênant. Ok. Du coup, go, finir le dialogue. Alors dis-moi comment ça se passe dans mon extérieur. On va faire c'est ça. Des ragots que tu cherches, Karl? Non. Mais tu viens de l'extérieur et tu traînes autour de mes ouailles. Bon. Tournons pas autour du pot. Je veux savoir si t'es un loup ou un agneau. Alors. Je suis pas fan de la métaphore. Ah oui, je vois. Les pèlerins sont pas amateurs de métaphores ou de poésie. Préfèrent agir. Ouais, à ce propos. Je cherche Sophie. Ah oui. Et pourquoi, je te prie? On lui dit qu'on recherche Sophie pourquoi? Parce qu'on doit lui parler de la mort de Lucas? Parce qu'on a un paquet pour elle? Ou on lui dit que ça le regarde pas? Oh bah dis-lui que ça le regarde pas, hein. Ça, je m'en occupe. Pas quand t'es sur mon territoire, pèlerin. Mais d'accord. Je vais jouer le jeu. Tes affaires, quelles qu'elles soient, sont pas une menace pour nous. T'es tout seul après tout. Contrairement à nous. Passe par là. Tu verras un homme géant. C'est Herman, son garde du corps. Sophie sera pas loin. Et j'espère que tes affaires mettront pas Herman en rogne. Adieu, l'ami. Allez, bah c'est reparti alors. On y va, allons chercher Sophie. C'est vrai que le bazar, pour moi, il y avait que l'intérieur. J'avais même pas vu qu'il y avait tout ça autour. C'est stylé, hein. Mais c'est vrai, j'avais pas vu non plus. La voilà, du coup. Fait des bruits bizarres, monsieur. Sophie, on peut parler? Ne lui fais pas de mal, Herman. Laisse-le parler. Je m'appelle... Aiden, c'est toi le pèlerin qui est arrivé en ville récemment. T'es bien renseigné, on dirait. J'ai pas vraiment le choix. Je suis responsable de la sécurité ici. D'ailleurs, t'as fait une belle entrée hier.
je cherche du travail. T'aurais rien pour moi ? Cherche du travail ? Je ne bosse qu'avec des gens de confiance. Tu viens de l'extérieur. Ils voulaient te pendre. Y a pas grand monde pour dire du bien de toi, pèlerin. Tu veux que je te fasse confiance ? Va voir les gens du bazar et essaie de gagner la leur. Si secondaire. Tu y arrives, ça pourrait sûrement te persuader. Quête secondaire. Donc en fait, on va devoir gagner la confiance de cette personne juste pour avoir des infos. Eh bien, dis donc. Ouais, trouver du travail au bazar et gagner la confiance de Sophie. Ouais, donc quête secondaire, en fait, c'est pour t'obliger à en faire un peu, je pense. Ouais, là, je pense ça. Mais écoute, à 17 mètres, il y a une quête. Vas-y, je te follow. Allez. Ouais, la dernière était sympa. Oh, lui, attends, il est... Attends, lui ? Non, mais ouais. Il n'y a pas de quête pour moi. Hein. Ah bon ? Ah. Alors, attends. Il n'y a pas quelqu'un d'autre pour toi alors qu'il y a une quête ? Il faut que tous les joueurs soient présents si il y a un truc, mais si. Pourtant je vois pas de logo de quête sur lui, quoi, c'est ça que je me demande. C'est bizarre. Non, bah vas-y. Regarde Urban, ton ami le fouineur est de retour. Trouvé du boulot ? Pas encore. C'est pas une question de chance, gamin, mais de personnalité. Comme la tienne ? T'as pas froid aux yeux. Bien. Qu'est-ce qui peut bien te faire plaisir ? Un boulot. Ouais, direct. Hein. T'as du travail pour moi ? Donne ton CV à ma secrétaire et on te contactera. Arrête un peu, me prends pas pour un con, je suis sérieux. Tu débarques ici comme si t'étais chez toi. T'es vraiment couillu, toi. J'aime bien ton style, mon gars. Ou devrais-je dire, pèlerin. Bon. J'ai peut-être un petit boulot pour un gros dur comme toi. Si tu t'en occupes, on verra si tu vaux la peine d'être connu. De quoi t'as besoin ? Pas grand-chose. Tu dois jeter un œil sur un gars qui est en retard avec ma livraison. Ça fait quelques jours que je l'ai pas vu. Il essaie peut-être de m'éviter. En général, personne me fait attendre comme ça. Personne. Qui est ce type ? Hubert. On l'appelle Hubert la Poisse. Ah mais attends, le même Hubert. Ah oui ? Il porte bien son surnom. Je veux que tu découvres ce qui lui est arrivé cette fois. Ok, je reviendrai après lui avoir parlé. Il vit dans le plus grand bâtiment en périphérie de Trinity Court, à l'opposé du bazar, sur Orchaux. Impossible de le louper, mais arriver jusqu'à lui sera une toute autre histoire. Je peux m'en occuper, allez hop. Quand tu seras sur place, le mot de passe est Sayonara. Il saura que c'est moi qui t'envoie. Compris. Mais ça se trouve, Hubert, il a fini en saucisse et puis c'est tout. Il a dit qu'il avait beaucoup de problèmes avec les gens, Hubert. Bah. Ok, maintenez poursuivre. Vas-y, on va suivre cette quête, hein, du coup. Allez. Où est le fournisseur disparu ? On y va. Allons chercher Hubert. Oh, c'est sympa quand même, les quêtes, tu sais, qui se rejoignent comme ça. Ouais, c'est cool. Ah, il fait jour, c'est cool sympa. Parce qu'en fait, on connaît un peu les personnages, donc on peut s'attacher ou en tout cas être plus dans le monde en mode ah tiens, lui je connais sa personnalité un peu et tout. Ouais. Ça va, ça a pas l'air d'être très très loin. Oui, grave. C'est où et là d'ailleurs ? Et puis c'est calme. Ah, c'est juste là, ouais. Ouais, mais généralement mais autour qu'il fait des. Il m'a fait peur, lui. Ouais. Autour des bases principales, généralement, c'est assez clean. Bon, sauf c'est de ouf lui, quand mais... même, un monde post-apo comme ça. C'est à la fenêtre là, non ? J'ai l'impression. C'est au-dessus, mais. Bon, je fais des bêtises. Jamais jusqu'en haut, en fait. Bah ouais. En fait, je pense que c'est là. Viens, c'est ici. De quoi ? Il y a une fenêtre. Par où tu veux y aller ? Bah, on monte, mais en fait, il y a une fenêtre qui est grande ouverte. Moi je aussi, j'ai une fenêtre ouverte là où je suis. Hein. Ah ouais ? Ouais. Ah bah là moi j'y suis, ça y est. Ouais moi aussi, mais en fait on est au même endroit non ? Bah oui. Coucou. Derrière toi. Ah mais... Ouais j'avais fait exécution mais ça l'a pas exécuté. Il m'a fait peur hein, le bouc. Ok ouais bon bah on était d'accord, c'est le principal. Oui. Attends y'a une caisse, on la prend. Ouais. Faites toi ça. Ah moi je vois des caisses, je les récupère hein. Là, dans une armoire. J'avoue aussi, que on n'a pas encore trop utilisé le même les planques, c'est pour acheter des trucs ou quoi. Ouais. On a beaucoup de matos. Après, ça nous suffit en hein, ce qu'on a de toute façon. Au moment, on s'en sort bien.
Mais c'est vrai qu'on pourrait peut-être acheter des meilleurs stuff ou quoi. Oh, ici, il y a de l'alcool si tu veux et du miel. Dans la cuisine. Ouais, pourquoi pas. J'avoue que pour la vie, toujours bon à prendre. Et voilà, après, j'ai l'impression qu'il n'y a rien de plus. Hein. Mais attends, trouver le fournisseur disparu, c'est pas ici du coup? Bah, en fait, moi je le voyais au-dessus tout à l'heure, mais. Ah, encore au-dessus? Mais c'est peut-être là où il y a toutes les traces de pas qu'on voit là. Ouais, je pense. Avant de monter, en fait, je le voyais au-dessus, c'est pour ça que j'étais en mode, je pense qu'il faut monter et tout. Comment on retourne à l'escalier là? Là. Moi je pense, Hubert, il a pas bien fini, hein. Moi je dis ça, je dis rien. Ah, faut arrêter là, me faites pas mal, hein. Toi, tu t'es déjà barré. Je le savais. Elle a entendu mon rire, elle a compris. C'était sûr. Mais en fait, au début, j'y allais tout doucement. J'étais accroupi pour y aller en fufu. T'allais comme un bourrin, je t'en veux pour moi. Ah, bah oui. Et moi, je m'en vais. Je vais looter. Moi, écoute, j'ai des loots à faire. Ça va. Je vous attends, les traces de pas, c'est les tiennes là que je vois. Non, non, moi, les traces de pas, je pense que c'est Hubert. Hein. Oui, c'est ça, mais. Je pense aussi que comme là. Ça menait jusqu'à moi. Parce que du coup, on serait pas loin. Ah, là-bas, ouais. Oh, attends, là, il y a des trucs dans le frigo. Ah, c'est par le trou là où je suis en fait qu'il faut aller après, je pense. Complètement. Mais prends avant les trucs. Oui. On va aller voir, hein. T'es prêt? Oui. Hubert? Qu'est-ce que c'est au-dessus? Sayonara! C'est vrai. Oh là là, la flamme, j'ai. Il y a de l'UV en plus. Il y a déjà un premier arrêt là où je suis, hein, si jamais. Bon, c'est bon, j'ai pas eu besoin. Non, mais je veux dire, il y a un trou quoi, on peut. Il y a une zone. Ah! Ah, ou peut-être pas. Ah, à moins qu'il faille remonter ensuite. Non, je pense pas. Bah, en fait, non, c'est là. Si on était arrivé de là, je pense. Je peux crocheter ah, là. Ah, oui. J'arrive. La porte. Ah, j'arrive pas à descendre, c'est insupportable. J'espère qu'il y a des gros trucs. C'est ouvert. Hubert ? Oh, il y a des zombies. Oula, attends, mais il y en a beaucoup. Et les zombies commencent à être de plus en plus résistants là, t'as vu ? Ils sont niveau 2 là. Ah, mais il y en a plus que prévu, fais gaffe hein. Ouais, attends, je recule un peu. Ah, attends, j'ai peut-être une idée. Oh ! Là, il est passé par la fenêtre. Ouais, c'est ce que je voulais faire justement, mais j'arrive pas à moi. De toute façon, j'aurais dû le laisser parce qu'il cramait dehors. Oh, j'aurais pu faire une élimination. Mince. Fouiller, hein, parce qu'on sait jamais. Ouais. Il y en a qui ont du pognon, c'est quand même pas. C'est quand même pas dégueulasse. Je prends. Maintenant, cette pièce, tu vas me dire, elle servait à rien d'autre qu'à ça, il n'y a pas de loot. Moi, je trouve ça bizarre. Ou alors d'ici. Attends, il y a une terrasse là, une magnifique terrasse. Ouais, c'est quand ça. Même. C'est bon, on peut passer là. Et là, t'as une porte encore, non? On peut pas la crocheter? Encore une terrasse, non? Non, bah je sais pas. Par contre, ah, mais le point, regarde, t'as vu, tu le vois le point là, il est juste là-dedans. Donc, soit on va à la fenêtre là-bas en face. Bon, on va à la fenêtre, vas-y. Ah, bah, ouais. Hop là. Ah, bah en fait, c'est exactement. Ah, mais... Il faut remonter. En fait, ça nous dit juste d'aller dans le bâtiment, quoi. Ouais. C'est ça. Bon, il faut sûrement remonter alors là où t'étais. Hein. Hubert? Monte. Nous venons en paix, hein. J'attends parce qu'on sait jamais. Si on a un mauvais truc et qu'il y a Hubert transformé. Oui, bon. Ah, je vois Hubert, il est là. Non. Tu l'entends, oui, il crie. Qu'est-ce qu'il a? Ok. Il me dit casse-toi. Toujours heureux de nous voir, Hubert, apparemment. Ouais. Il aime bien les gens. Trouvé mon entrée secrète. Elle était secrète. Elle était censée l'être, mais ta chance a tourné, l'ami. Je ne sais rien, rien du tout. Dodger m'envoie. Oh, la machette à droite. Dodger, comment? Mais, il m'a dit de dire sayonara. Ça te dit quelque chose? Ok. Merde, t'aurais dû commencer par là. Dodger veut sa commande. J'imagine. Mais tu sais quoi? Je me suis pété la jambe. C'est pour ça que j'ai pas la commande de Dodger. Besoin d'aide? Non. Attends, ne retourne pas le voir. S'il découvre que j'ai bâclé le travail, je suis fini. Et qu'est-ce que je lui dis? Peu importe, il en a rien à foutre. Il pensera que je veux l'entuber. Hé, tu veux bien y aller à ma place?
Va voir la zone de stockage dans un parking souterrain sur Saint-Joseph Street. Passe la clôture devant le salon de massage. Entre dans le bâtiment et va vers l'ascenseur. Wow, ralentis un peu. Avant tout, qu'est-ce que je suis censé chercher si je devais accepter ? Des conteneurs du GRE. Selon la rumeur que Dodger a entendue, il y avait une installation militaire ici, établie au tout début de l'épidémie. Et qui dit installation militaire, dit un sacré tas de fournitures. Quel genre de fournitures ? Je sais pas trop, des trucs sympas antérieurs à l'épidémie. Que du premier choix pour l'armée. Des médicaments, de l'alcool, de tout. Ah, normal que Dodger veuille autant cette livraison. Ouais, tiens, prends ces pétards et essaie pour voir, ok ? Ce sera un sacré coup pour nous. Mais moi, je suis comme qui dirait hors course. Oula. Ouais. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Je reviens bientôt. Non, attends, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Parce que ça se trouve, il fait semblant. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Des bandits m'ont attaqué quand j'approchais de la zone. Je me suis échappé de justesse. Si tu ne le fais pas, Dodger va me tuer. Je pense pas qu'il fasse semblant parce qu'il pouvait pas prévoir qu'on allait arriver et avoir prévu un bandage et tout d'avance, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais bon, on sait jamais. Bon, vas-y, on y va. Hein. Allez. Ok, je reviens dès que possible. Merci d'avance. Tu me sauves vraiment la mise, mon gars. Mais à ta place, j'attendrai qu'il fasse nuit pour y aller. Les deux zones doivent déborder d'infectés à l'heure qu'il est. Merci pour le conseil. Ah, les fameuses zones où il vaut mieux y aller la nuit, quoi. Ouais. Ok. Oh là 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 là. Bon, sa machette, elle me fait de l'œil là, depuis tout à l'heure, j'avoue. Tu veux bien faire donne la machette. Bah non, c'est pour sa jambe, hein. Pour l'aider. Bah je ouais, pense clairement, bon. Il faut amputer là. Je pense, hein, ça m'a l'air bien. Regarde, abîmé, en plus, il tient. Hein. Allez, Hubert. Je pense que c'est abîmé là. Le mec, il va le démonter. Tellement. Ok, c'est à combien du coup d'ici ? Ouais, mais d'abord, il faut dormir. Mètres. Faut aller dormir de toute façon avant. Ah, on n'a pas un petit moulin là qui traîne. Mais justement, il y en a un, il est rouge. C'est quoi face au bâtiment ? 160 énergie, je sais pas trop quoi. Ah, c'est de l'énergie qu'il faut pour pouvoir le déverrouiller, ok. Ah, du miel. Ors, j'ai trouvé quelque chose. Oui, mais on n'est pas à côté en fait pour l'instant. Mais si, on a. Ouais, enfin, oui, mais. Non. L'actif, tu vas être content. C'était juste mais à côté de nous. Dans moi. Qu'est-ce que tu fais là ? Quoi, qu'est-ce que je fais là ? Ah, j'ai cru que t'allais rentrer dans le bâtiment. Bah non, j'essaie de venir. Regarde, on avait un générateur juste à côté de la quête. Ah, on pouvait activer ça là, juste à côté, tu vas me dire ? Ouais. J'aime le voir là. Tu pouvais pas me le dire avant ? Bah, je viens seulement de le voir. Hein. Tiens, petit clé truc, il y a du miel. Ouais, j'en ai pris un peu déjà. Ah ouais ? Bon, après, okay. Pour ma défense, tout à l'heure, il me semble quand même que je suis remonté avant qu'il hurle. Hein. Je pense pas que ce soit moi qui. Non, mais attends. J'ai pas dit que c'était forcément toi qui avais activé. Ce que je dis, c'est que c'est toi qui as eu l'idée d'aller faire ton truc là. Ton vieux move là. Éclaté au sol. Ton vieux move là. Toi, comment on fait pour descendre ? Moi, je vais sauter là, ça. Je vais casser les jambes hein. Si je saute là. Mais oui, on va se casser. Bon, vas-y. Hein. Ah non, mais il y a eu non, le. Non, mais non, qu'est-ce que t'as fait tellement... Ça mais va ? Je t'ai écouté, voilà, moi je t'écoute toujours. Ouais. Vas-y, j'ouvre. Ça va, ouais. Je suis bien. Oh, mais vas-y. Hein. Hop là, merci. Hein. Ça okay. Pour ça ? Mais non. Bah, un inhibiteur. Non, mais trop c'est bien. Pas ça, c'est qu'en mode surtout, bah en fait. Quoi ? On n'a pas tant galéré que ça en fait, le truc était pas si compliqué à ah, faire. Bah oui, en fait. Bah non. On repasse par le toit. Hein. Ouais, je finis d'ouvrir. Ah, y'a des trucs encore à ouvrir ? Ah. Oh, dis donc ! Hop. Équipe-toi, y'a eu du stuff. Hein. Ah, tu peux bien le dire, je ne lis tellement rien. Ah, bah c'est pour je ça. Je loot. C'est tout. Bah, je loot. Oh, regarde les gants. Ouais, mais gants pour rôdeur, classe spécialisée dans les armes mais à moi, distance. Je suis dans brassard en fait. Ah. Mais on n'a pas d'armes à distance. Non, on n'en a pas encore. Mais du coup, c'est naze, non ? Moi, je prends médecin. Les gants médecin. Mais moi, je suis pas sur les gants déjà. Moi, je suis sur les gants. De toute façon, il y a que ça, non ? Gants de combattant, gants de rôdeur. Ah, historique. Bah là, ça dit rien, par contre, effectivement. Mais ouais. Faudrait voir toutes les stats, mais dans tous les cas, y a rien là-dessus. Oh, comment t'as grippé ? Non, mais... En fait, il y a le brassard d'archer. Ah. Il a moins d'armure, mais encore une fois, c'est... Ah, t'as eu un brassard, toi ? Moi, j'ai pas de brassard.
C'est arme à distance en vrai, non, c'est naze. Je vais garder ça en fait. Et là c'était quoi? J'avoue que c'était arme à distance aussi. Moi je vais plutôt garder arme à une main, je vais garder les gants de combattant en fait. Ah ouais, mais attends, là le problème, c'est qu'il y a des zombas encore qui sont... Attends, tu sais quoi? On leur met des pétards. Mais oui, mais c'est exactement pour ça qu'il nous a filé les pétards le mec tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai qu'il nous a filé des pétards lui. Oui, il nous a dit envoyez ça et voilà. C'est vrai, tiens. Tu vois, j'aurais eu l'idée s'il avait pas été là. Hein. Donc bon. Oui. Vas-y, je te laisse. Ah, vas-y. Fais péter les pétards. Vas-y, vas-y, mets-les. Ah ouais? Vas-y. On va aller un T'es peu à gauche, hein. On va pas devant la porte. Ah bah non, ça serait con. Tu me prends pour qui, franchement? Je préfère préciser, on sait jamais des fois. Au fond à gauche, là. Pas trop loin non plus qu'ils puissent y aller. Regarde, regarde, regarde comme ils sont attirés. Ah, c'est à gros loin, hein. Ils en ont rien à foutre. Oui, tu fais. Ils en ont rien. Oh! Il est tombé. L'autre? Non, non. En fait, c'est un peu trop loin, je crois. Je pense que c'est trop loin. Après, il n'y a pas de hurleur hein, dans ce tas-là. Mais qu'est-ce que tu fais juste là? Eh ben, regarde, ils viennent là-bas. Là, il y a un mec, on le fracasse et puis c'est mais bon. Mais ils viennent sur toi, hein, Justin. Ah ouais? Non, mais. Putain, c'est pas. Je t'ai dit de les faire toi péter les pétards là! Ah, j'ai plus mon truc enflammé! Ça ne s'enflamme plus du tout! Après, c'est un taux de proc, hein, c'est pas forcément 100%, je pense. Bah, ouais, mais il y a plus de flammes sur l'arme. Ah, sur l'arme du tout. Ouais. Allez, on y va de suite avant que ça tombe. C'est bon, vas-y, c'est propre. Mais en tout cas, les pétards incroyables, hein, ça marche bien. Mais franchement, c'est nickel. Hein. Et après, regarde, ils y vont. Ils grimpent vers toi, regarde. Ça ira. Toi. T'es qui, toi? Besoin d'aide? On peut se débrouiller, merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a entendu des rumeurs concernant ce garage. On pensait que ce serait facile à récupérer. Mais on avait tort. Merde. Eh, au moins on a assez progressé pour démarrer le vieux générateur militaire et alimenter les lampes UV. Et il s'est passé quoi ensuite? Là-dessous, le parking souterrain est bourré d'infectés. On a eu de la chance de s'en sortir en vie. Et une portion d'un mur s'est effondrée sur Jonas tandis qu'on remontait à la surface. Ça te dérange pas si j'essaie, pas vrai? Fais-toi plaisir, mais ça n'en vaut probablement pas la peine. À moins que tu veuilles finir comme moi, ou pire. Ouais... Je dois respecter une promesse. Tiens, si tu meurs pas, ça te sera peut-être utile. Il n'y a pas moyen qu'on y retourne. Pas par là, en tout cas. Eh ben, merci. Tellement l'épisode full boulette, là, par contre. Oh là, oui. Quand j'y pense. Il est incroyable, cet épisode. Hein. Alors. Oh bah. Mais. Quoi? Mais attends. Il vient d'où, lui? Je ne sais pas. Il a pris l'ascenseur, j'imagine. Il est tombé du. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tout va bien. Y'a rien qui va dans cet épisode. Allez, go! Non, mais faut prendre l'échelle comme ça! Bah non, t'as regarde, y'avait un. Hein? Oh, mais j'en... Bah là, y'a. Y a des poches poubelles. Oh là là, t'as vu quand je la joue sec, y'a des poches poubelles. Ça dégoûte. Des petits sacs plastiques ici. Regarde là. Si ça c'est pas. Ah non, on peut désactiver, on va pas le faire. Trouver le conteneur du GRE. Tu sais que j'ai cru pendant 2 secondes que t'allais le désactiver le truc, hein. Oh là là, oh y'a un hurleur. À gauche, à gauche, à gauche. Et là il faut jouer fufu. Là c'est la phase we need to be fufu. Oh là là. Stop boulet. À gauche, à gauche. À gauche, c'est par contre là je panique, hein. Derrière, hein, sinon. Comment ça derrière? Bah là, par là. Y'a un truc là? Ah oui. Ouais. J'ai ma flashlight d'activer, j'ai peur que. Mais non, t'inquiète. J'ai toujours pris la flashlight dans ces scènes-là et y'a jamais eu de problème. En fait, y'a toujours eu des problèmes techniquement, mais ça a jamais été à cause de la flashlight. Attends, mais là on peut pas. Vraiment... Bah attends, on peut passer là. Ah là, à gauche. Bon, dans le coin là, du coup. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais il passe là techniquement, qu'est-ce qu'il nous fait là le personnage? Qu'est-ce qu'il nous fait là? Je pense que c'est mort. Hein. Non mais il y a un trou là,
pas. Pardon. Au pire, on peut passer à droite. Ah bah, à droite, on longe, on prend les trucs là, médicaux, là, machin. Ouais. Ah, le hurleur, c'est lequel d'ailleurs, il est où? Pourquoi tu vas plus vite que moi, toi? Ah, parce que je fais des... Okay, oh, fais attention. Ah, bonjour. Excusez-moi, monsieur, je fouille, j'en profite. D'accord, moi aussi, alors. Mais il se réveille, là, tu le sais, ça. Chut. Bah, il est réveillé, hein. Mais avance, avance. Non, il est pas réveillé. Si, si, il est réveillé, là. Mais regarde. Tu entends des cris? Et là, ça se met à gueuler. Ouais, tellement. Attends. Là, dis-toi qu'il y a une sortie à gauche. Oh là là. Attends, faut qu'on la... Non, non, non. Et t'es lui? Bah oui, je t'avais dit que tu l'avais réveillé. Non mais... Chut. Et toi? T'entends des cris? Non? Bah, il y a rien alors. Pas besoin de t'aider. Non mais il y a en feu et tout là. tellement discret. Mais quoi? Mais chut. Voilà. Or, faut qu'on se mette sous la table. Ouais, peut-être c'est mieux. Viens avec moi sous la table. J'y pensais là. Justement. Non mais faut surtout qu'on se tire, hein. Viens. Ah mais non, va sous la... Ils m'ont vu moi, ils vont aller... Je pense qu'ils m'ont vu parce qu'ils me cherchent. Ils courent. Vers toi, c'est safe ou pas? C'est 100% safe. Hein. Moi, ils montent sur la table et tout alors que je suis dessus, Orsiad. 100% c'est safe, tu me dis? Ouais. C'est fou parce que moi, ils viennent tous sur moi alors que normalement, ils disent que sous la table, on est cachés. Je sais pas si tu vois la table d'ici. Mais j'ai un peu de monde autour. Oui. Enfin, je vois tous ceux qui sont autour. Attends, je vais faire un truc pour toi, t'inquiète. J'ai une idée. Mais pas de pétard. Hein. Non, pas de pétard. Quoi? Tu sais où faut aller ou pas? Sont buggés là. Prends-moi mes cuts du coup. Pas me rendre mes cuts. Ok. C'est quoi ce bruit? Faudra. Potentiellement que tu te rapproches de moi après. Qu'est-ce que tu viens de faire? Une source sonore, c'est marqué. Bon, ça va tirer vers là-bas et toi tu peux venir. Ah, il y a juste un léger problème à l'idée, c'est que bah, le bruit est quand même sur le trajet que tu vas devoir emprunter. C'est quoi ce bruit? Mais c'est toi là! Bah ouais, tu vois qu'il moi. A encore allumé ton truc! De quoi mon truc? Bah t'as encore du feu hein, dessus hein! Bah ouais, il a refait du feu, je comprends pas! Il a refait du feu, il remarche! Ça y est! Je comprends pas, ça refonctionne! Bon, fais gaffe à ton immunité hein, moi j'ai repris des champottes! Pas tout le temps! Ah oui, c'est. Ouais, ça va encore! Je pense c'est par là! Hein. Attends, ça dort! Attends, je suis malheureuse! Ne fais pas comme moi! Non mais. Après, je sais pas où on doit aller aussi, moi. Bah moi non plus, c'est trouver les conteneurs du GRE. Mais c'est là, regarde. Ça, c'est ici, hein. Bonus de on nuit. On a passé, déjà. Ah, c'est bon, on est passé. Tiens. Ors, derrière toi, fais gaffe. Je ne comprends rien. C'est pas... Mais là, on est de retour. Mais on est où? C'est pas, moi je suis perdu, c'est trop grand. Faut descendre, regarde zone militaire. Ça sent le... T'es où toi? Ah, j'ai cru que t'étais repassé derrière, pardon. Y'a une pote derrière toi. Tu feras gaffe. Non mais... On va prendre ça et... Elle, on va l'exécuter hein, parce que... Oui, t'as raison. Oh regarde, je peux activer un truc. Mais ça marche pas, ils sont trop forts pour les exécuter. Au secours, ils mangent. J'arrive. Et regarde, il va cramer avec ça, je pense. Oh, c'est toi qui as allumé? Ouais. Oh, bien vu. Bah voilà, bah, pas besoin de champignons en fait. Bah c'est bon, on est ok. Ça fait plaisir. Ça bah écoute, bon, hein. A droite, il y a écrit truc militaire. Oh, il allait vite celui-là. Là, regarde, militaire. Ne pas rentrer. Ça veut dire rentrer, ça? Bah ouais, c'est... Je crois que c'est la zone de stockage militaire. En face, il est chelou. Alors, je t'ai un coup d'œil. Ouais, t'as raison.
J'ai fouillé les conteneurs du GRE. Bah déjà, je fouille les cadavres du GRE, ensuite on va voir pour les conteneurs. Hein. Là, sous la table, tu vois, regarde ça. Hop là, je ne suis qu'une ombre. Ça sert à rien. Mais ça ne sert strictement à rien. Mais bien sûr que si. Mais n'importe quoi, t'es ridicule. Je suis pas ridicule. Comment on ouvre ? Tu passes comme ça. Ah, là-bas, ça a l'air ouvert. Il y a des champis à gauche. Ok. En plus, regarde sous une table. Ouais, les tables, ça te réussit en plus. Regarde. Oh non. Hop là. Ah, il me voyait pas. Marrant, il y a quand même un logo en mode... Ah, regarde, retourne. Ah bah voilà. Bon, oui, j'ai peut-être... Okay, c'est oh, peut-être... mais t'es pas possible. Oui, c'est peut-être un peu ma faute. Mais c'est bon. Oh bah là, t'as réveillé tout le monde. Ah bah bravo. J'admets mes torts. Maintenant, c'est bon, j'en ai marre. On y va. Hein. Allez, on peut passer là-bas. Ils vont pas passer, eux. Allez, viens. Où ça? T'es où? Je vais activer le générateur, ça va le faire. Vas-y. Dépêche-toi. Y'a de l'UV ou pas? Y'a pas d'UV du tout. Ça a pas marché. Cover me. Comment ça, cover me? Cover-moi. Y'a une porte. Y'a le générateur, faut l'allumer. Après, bah je t'ouvre la porte du GRE là. J'ai cru qu'il y avait un truc dedans. Regarde, c'est... UV. C'est magnifique, y'avait qu'un seul mec de toute façon. Ah, je sais pas, avec tout ce qu'il y avait dehors, je me suis dit que les autres devaient arriver. Moi, je me suis pas retourné. Oh, hein. Oh. Ouf. Viens ouf. Voir. Kit de soins militaires. Alors ça, à mon avis, on doit pouvoir se heal de manière incroyable. Oh. Ah ouais, le marteau antique. Oh. Le marteau, je vais lui mettre l'amélioration dessus. Mais est-ce qu'on peut? Oui. On peut pas l'enlever, si. On peut? Bah, l'amélioration, tu peux la recraft plusieurs fois, dès que tu l'as payé. Oui, la crafter, oui, bien sûr. Oh, c'est mais pour... les, Or, c'est pour toi, les... derrière toi, il y a un petit truc que il tu est magnifique. Kiffé. Il est magnifique, ce marteau, vraiment. Il est beau. Hein, il est très, très beau. On va voir en main ce que ça donne. Tac. Oh, ouais, j'adore. Qu'est-ce qu'il y a derrière moi? Dis-moi. Une magnifique caisse. Ah, tu veux que je rachète? Ok. Oui. Par contre, j'avoue qu'elle est dorée. Hein. C'est beau, hein. C'est bien fait la physique du jeu quand même, parce que il y a une espèce de clou ou je sais pas quoi sur notre marteau et il bouge quand on bouge le marteau. Tu veux rire? Quoi? Alors qu'est-ce qu'on a eu? Un pantalon, ration, on va lire ce coup-ci. On a eu des gants. Moi, pantalon, pas de gants. Mais c'est pas possible, moi j'ai 10 000 gants. Du coup, j'ai un pantalon léger. Ah, XP de parcours augmenté, ça se peut être bien. Ah, oh, mais attends, mais vitesse de régène de santé augmentée, efficacité des soins plus temps. Après, moi j'avais des dégâts. Ah, mais non, mais ça c'est à distance, c'est nul. Ouais, non, vas-y, je prends ça. Je prends ça, c'est bien. Attends, j'ai un truc. J'ai un item que je peux placer ou quoi? Modifier. Ah, j'ai eu un truc flambé aussi. J'ai un autre mode. Bon, pas gaulimètre, hein. Bah, j'ai un mode sur mon marteau, du coup, ça y est. On a dû l'avoir là-dedans. Ah ouais? Bah, on dirait. Attends, pardon, oui, tu veux rire? Le crochetage, là. Ouais. Au final. Ben, il suffisait de ne rien faire. Il était tout droit. Mais non. Si. Trop bien. Oui, bah, j'ai un peu bougé au début, j'aurais pas dû. Des filtres. On en a jamais trop. Dodger saura comment les utiliser. Oh, le marteau, il est magnifique. Il est beau, hein. Ouais. Ah, mais attends, mais on en a eu qu'un seul, là. Il en faut... Attends, il y a tout à refaire, là. On a eu qu'un seul conteneur. Eh oui, il y en a 5 en tout à faire. Ouais, mais je pensais qu'ils allaient être les 5 au même endroit là, parce que c'est 5 zones totalement différentes. Ou c'est ici? Non, c'est ici. Ah non, là. Regarde, là il y a un truc, je l'ai pris, ça a fait 2. Ah, je l'avais c'est pas ici. Vu. Ah, ok. C'est tout là-dedans là qu'on. Ouais, je pense. Ah bah là, il y a un autre conteneur ici. Ok, trop forte. Ah, il est derrière. Trop forte. Ah, faut passer par en haut. J'ai vu une trappe au-dessus. Ouais, bien joué. On se complète, binôme. Il est oh, où ton truc? Oh, c'est incroyable. Hop, proche, c'est facile, c'est pour toi. Ok, t'as pris le conteneur déjà ou pas? Non. Il était où? Parce que je veux voir si... Bah, je sais pas, je... Attends, bon, je vais regarder. C'était une caisse en bois. Hein, bah, je sais pas, je suis passé à côté et... Bah, je me dis que ça doit être ici, du coup. Ah non, mais j'ai cru que t'en avais vu un, en fait, ici. C'est pour ah, ça non. Je le voyais pas, j'étais en mode... Attends, mais est-ce que... Toi, t'es l'expert en crochetage. Alors l'expert, il va casser son crochet, là.
Non, c'est bon. Expert de rien du tout. Ah, pardon, excuse-moi. Eh, j'ai rien eu. On dirait que j'ai trouvé le jackpot. Une bouteille de cognac Risengard. Ah, mais parce que c'était les... Ah, oui, oui. Des cubes, hein, c'était des trucs de quête. Ouais. Bien joué. Du coup... Là, il y avait des notes et tout. T'as pris ? Non. Là, il y avait un truc les aussi, notes, je crois. Je sais pas si c'est super important. Et il manque juste un paquet qu'on a dû laisser quelque part. On va remonter, je pense qu'il doit traîner autour, hein. Peut-être qu'il était à l'extérieur, l'autre, hein. Ça se trouve, hein. Peut-être à l'intérieur, on l'a pas vu. Ah bah il est là. Tu l'as ? Mmh. Super. Bon, en fait, oui, je sais pas pourquoi j'utilisais plus mon instinct, alors que l'instinct te donne l'info, en fait. Allez, je peux y aller. Oh là, il y a des trucs, viens. Ceci ouais. Pour toi, encore. Non mais... On s'est ouvert. Oh super. Encore des gants, mais j'en peux plus moi de ces gants, hein. Ouais, j'ai eu des chaussures moi, mais elles ont pas l'air folles. Ouais non, en plus c'est des bagarreurs comme les miennes, donc non. Là faut qu'on retourne voir Hubert. On va retourner voir Hubert. Je trouve si d'ici là il est mort, je serais dégoûté hein, si c'est ça. Mais ça m'a l'air bien mieux cette sortie là, non ? En fait, ouais, on a un peu cut en passant au-dessus. C'est parfait ça. Est-ce qu'il faut aller là ? Non, peut-être pas. Hein. Peut-être continuer de monter. Ouais, c'est là où je suis, je pense. Ok. Waouh, t'as réussi ! Est-ce que t'as trouvé le matos ? Ouais, merci pour les crochets. Mais... qu'est-ce que vous faites encore ici ? C'est lui ? Ouais. Il a eu la gentillesse de récupérer la marchandise pour nous. Ça nous évite des tonnes d'ennuis. J'ai à goutte. Alors, qui t'a parlé de cet endroit ? Oula, attends, mon petit doigt qui me l'a dit. Pourquoi ça t'intéresse ? Ton petit doigt avait la jambe cassée ? Comment tu le sais ? C'est moi qui l'ai cassé. Pourquoi tu l'as attaqué ? Parce qu'Hubert comptait rafler toute la marchandise. Et dire à Dodger qu'il a rien trouvé... et qu'il avait besoin de notre aide. Mais on ignorait pourquoi on avait besoin d'Hubert Lapoisse. Et désormais, on n'a pas besoin de toi, alors donne-nous tout ça. 3 contre 1 ? Ça me plaît. 2 ? Oui. Eh, je sais que je suis pas très efficace, mais attention. Compte j'ai un marteau. Ah. 2 ! Bon, alors attends. J'en battre. J'ai compté. Ah, mais oh ! 5 cadavres. Allez hop. Tuez-le et prenez les marchands. Oh là là, oh là là. Mais quel fou que tu es. Quoi ? Ils sont j'ai envie plus 4, le marteau. J'ai envie de prendre le marteau. J'avoue que c'est peut-être pas bête. Oh ! Attends, je prends le marteau aussi. Hein. Il est solide lui. Hein. Attention. Ah mais il te pousse, c'est chiant ça. Comment tu prends le marteau ? Je sais jamais comment on fait. Hein. Ah mais il me repousse. Allez, ça fait sur toi et... Aïe. Aïe. Il fait trop mal. C'est toi qui as voulu te battre, de toute façon, moi je me tire. Mais quoi ? T'es sérieux ? Ouais, je me tire, salut. Mais non, mais t'es sûr, tu vas quand même pas m'abandonner ? Vas-y, vas-y, je suis sur moi. Oui, mais je me heal, j'ai plus... Ils m'ont mis un peu cher quand même. Si ça, c'était pas joli. Oh là ! J'arrive ! Ok, bah moi je peux me heal, hein. Mais il faut trop mal s'abuser. En fait, il te repousse. En fait, il faut s'en... Non, mais en fait, je peux pas les... Je peux même pas les... Mais c'est toi qui as voulu te battre ! Mais je savais pas qu'ils étaient si vénères que ça, moi. Aïe. Oh là là. Je suis au sol. Oh là là. Oh, ce que tu prends. Oui, bah, je pensais pas que ce serait si dur, le fight. Ils sont trop chauds. Monte sur le toit, heal-toi. Ensuite, tu descends, tu me raises vite fait. Vas-y, monte sur le toit. Ah, moins que t'aies le temps de me raise. Non, y'en a un qui tue, y'en a un qui tue, y'en a un qui tue. J'aurais jamais le temps. C'est bien ce que tu fais, c'est parfait. En plus, ils montent pas du tout vers toi, c'est bon, t'es safe. Ils montent ? Oui. Mais c'est bien. Pendant qu'ils montent, attends qu'ils soient tous montés et ensuite tu descends pour me heal. Tu sais que j'ai plus de soins et tout ? Non, c'est pas possible avec tous les soins qu'on a. Je te jure. Attends, tu m'as ranimé là ? Ouais.
Dis-le, je te voyais pas. Oh là là. Tu sais que là, je suis en train de me recraver des soins. J'ai plus de soins. Oui, oui, bah. Moi, je vais taper dans le soin militaire. Fais gaffe, ils sont tous sur toi, je me soigne vite fait. Ok. Écoute, tant pis, je prends le soin militaire. J'ai pas le temps de craft. Par contre, j'avoue, attends, il doit y avoir un item à récupérer ou quoi pour gérer le combat, non? Y'a pas quelque chose. J'ai vu le lance là tout à l'heure. Ah, mais mon instinct ne marche pas des fois. Ouais, ok. Ok, attends, je vais peut-être trouver une technique. Je veux les fumer. Je vais trouver une technique. Oh, je le finis par terre, vas-y, t'es bien. Vas-y, dès qu'ils essayent de monter, je les tabasse. Oh, ah, j'ai fait un perfect hein, pour ça. Le counter et pourtant j'ai pris cher. Hein. C'est bon, on va y arriver. Mais... Tiens, voilà. En fait, je sais ce qu'il faut faire. Faut faire un dash en arrière quand il va taper. Oui, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Ouais, faut pas le counter, faut juste faire un dash en fait contre eux. Prends ton temps, prends ton temps. Ah, ça marche bien là, c'est bon, on a le timing. Oh, je suis bloqué. Du coup, ok, nice. C'est bon, lui il est mort. Bien joué ça. Ah, tu fais moi le malin maintenant qu'on comprend comment ça marche, hein. Tiens. Oh, il a pris feu en plus, hein. Des coups de pied. On se met des coups de pied à nous en fait, non. Bien joué. Let's ça. Go. Attaque à rien. Oh là là, non, c'est quoi aussi, hein. C'est incroyable. Bon, bah tiens, on a bien fait de prendre le fight. Easy. Non mais attends, on, tu sais, alors que... T'es, genre, j'étais en mode, attends, on va lire, et là, je me dis que tu cliques, chez... mais non. Mais totalement. Attends, on peut piquer des trucs, hein, moi je fouille, hein. Bon bah du coup, ouais, pareil, mais bon, bah, c'est fini. Y'a des mecs? Y'en a attends. D'autres ou pas? Une masse double. Ah, lui, non, là, en bah rouge, non. Je l'ai pas fouillé. N'hésite pas à utiliser ton instinct, tu les vois en rouge. Ouais, je l'utilise pas assez des fois. Je sais pas pourquoi, des fois je pense plus qu'il y a l'instinct. Bah, comme tout à l'heure avec la quête, alors que la quête. Sur le... Bon, de toute façon, toi tu l'avais t'avais dû le faire donc on... je t'ai suivi, mais. Ouais. Mais c'est vrai qu'on cherchait après le dernier paquet alors que. Attends, là-dedans il y a quelque chose ou pas? Je me dis, on peut peut-être rentrer. Ah non, mais tu peux récupérer là, des leurres, si ça t'intéresse. Sur le coin du camion, sur la bordure. Mmh. Ah, et au sol il y a un sac aussi, je vais peut-être prendre oui. Du riz. Par contre, allez, tu sais bon bah que... y a plus qu'à rentrer. Ouais. Franchement, ça s'est trop bien passé, t'en penses quoi? Franchement. On n'a pas perdu la marchandise. Cet épisode était full galère. Ah oui, il était incroyable. Oh, par contre, on a fait les boulets à chaque fois. Ouais, non mais c'est léger, hein. Il y a encore des gens à sauver à droite, mais du coup, est-ce qu'on retourne là? Ah mais attends, c'est juste là. Si c'est les sauver comme le mec de... Attends. Attends, eux faut les taper, mais je sais plus moi. Oh, mais moi je tape tous les gens maintenant. Oh, tu m'as. Il m'a poussé en plus, je veux le taper. Oh non! C'est qui veut de la trompette? Oh non, il y a un trompettiste! Ah, tiens, tu l'as il m'a coupé. Oh, j'ai pas réussi. Coup de pied. Mais il est où? En fait, ça s'accroche, du coup, on arrive pas à taper. Il s'accroche. Le... Oh. Oh non, t'es tombé! Remonte! Alors, remonte, fais pas le con! Je peux pas! Pourquoi? Parce que je panique! Tu veux que je descende avec toi? Non, mais en fait, je peux pas parce que je prends des coups en fait, juste. Non, mais c'est juste que j'avais 2 PV, je pensais que j'étais mort hein, au début. Hein. En plus, il y a une superbe quête, hein. Il y a un truc crochetage. Au début, j'avais vraiment plus de heal. Ouais. Bon, du coup, on a réussi à avec le mec. Bah, écoute, il y a un truc à crocheter. Je t'attends. Le secondaire, ils ont dit que c'était bon là, non, ce qu'on a fait. Ah bon? Ah, y a... ah, c'est le trophée, ok, c'est la récompense de ce qu'on a fait du coup. Bah ouais, je pense. Je pense que la lance, c'est stylé aussi. J'ai entendu un mec dire, viens abruti. Dans le loot, dépêche-toi. Ouais, mais en fait, c'est ceux d'en bas. Il est tombé, mais il est pas mort au final. Mais on a quand même, du coup, la réserve et tout. Bah tant mieux. Ouais. Bon bah. Franchement, ouais. On fait quoi? On retourne à la quête principale, juste on se poser devant, ouais. Quoi. Allez. Ouais, on va juste devant là-bas bah pour rendre la marchandise à la limite et on s'arrêtera peut-être là-dessus, je pense. Ouais, bah sur un épisode quand même, oh là là, l'un des meilleurs. Hein. T'es retombé, mais c'est pas possible. Non, mais mon perso il. Ne dis pas non, j'ai tout vu. Je suis pas tombé, je me suis rattrapé. Je suis pas tombé, j'ai glissé. Attends, mais c'est là en fait. Et par où on passe? Attends, mais on est où là? Non, mais je comprends pas ce bâtiment, comment c'est foutu, hein. Là, c'est bon. Oh, j'ai fait un saut de repli. Ah, mais c'est ce bâtiment avec la planque, oui, ok, j'avais oublié. Oui, donc faut remonter en fait. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me covers?
Ouais. C'est toi derrière, quoi. Ouais, c'est moi. Vas-y, je te laisse couvert, je vais ouvrir. Oh bah j'ai plus de stamina. Oh, je vais tomber là. Attends, c'est en train de cramer, il y a barbecue là. Je me heal un coup pendant qu'il y a le barbecue. C'est bon, je peux ouvrir? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Oh là là. On peut pas crocheter tranquille ici, hein, sans déconner. Tellement. C'est bon. Prends, hein. Fouillé. On n'a pas fait tout ça pour rien quand même. C'est chiant que ça prend qu'à lui là. Ouais. Bah, je pense qu'il veut pas se faire embêter, hein. Parce que je comprends, en fait, je comprenais pas pourquoi on revenait là, parce que pour moi, on a les marchandises, autant qu'on aille directement voir l'autre, plutôt que de revoir celui-là, en fait, c'est sûr. Bah ouais. Uber, non, mais là, soit, ça se trouve, va y avoir un choix, hein. Peut-être qu'on va voir que Uber a vraiment menti et on va pouvoir lui casser l'autre jambe. Qu'est-ce que tu fais? Je suis tombée. Il me semblait aussi, hein. Qu'est-ce que tu fais? Mais je suis tombée. Attends, il y a écrit voyage rapide, mais attends, je suis à côté, c'est peut-être bête de faire un chargement pour ça. 2 cm, c'est voyage rapide. C'est bon. Bon, Uber, faut qu'on discute, hein. Bah, il a pas l'air d'avoir trop menti, en fait, hein. Bah, ouais, c'est vrai. Pas mieux, mais bon, ça va guérir, un jour ou l'autre. Ah, fantastique. Un problème? J'ai déjà eu l'occasion de croiser les bandits que t'as mentionnés. Ils m'ont dit que tu prévoyais de rouler Dodger depuis le début. Bon, d'accord, puisque tu veux tout savoir, j'avoue. Mais bon, c'était que pour cette fois. Dodger l'aurait jamais su. Pourquoi voler celui qui te donne du travail? Écoute, je survis à peine. Je me suis dit que, cette fois, je lui dirais que sa piste avait rien donné. Et je prendrais la marchandise pour avoir quelques économies pour une ma petite voix. Mais les oui. Bandits. J'ai pensé qu'une embuscade le convaincrait. Je m'attendais pas à ce qu'il se retourne contre moi. Mais bon, je suis qu'un tocard, apparemment. On dirait bien faire confiance à une bande de criminels comme eux. C'est ce qui arrive quand on est trop gourmand. J'étais pas gourmand. Je... Seulement désespéré. Ils m'ont cassé la jambe et je sais pas quand je pourrais retravailler. D'ailleurs, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont essayé de me tuer, mais ils ont pas réussi. Ouh. Et la marchandise, tu l'as trouvée? J'ai tout trouvé. Je te supplie, dis rien à Dodger. Si tu le fais, je suis un homme mort. Je t'en prie, apporte-lui ce que tu as. Dis-lui que je reprendrai le travail dès que ma jambe sera guérie. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Attention, il n'y a pas trop le choix, parce qu'il n'y a que je vais y réfléchir. Ouais. Parce qu'il aurait fallu une autre option, en mode je vais y réfléchir, ou alors voilà, mais là, il n'y a pas deux options, il n'y a qu'une option, là, c'est juste une question. J'y réfléchirai. Allez, mon pote, sans travail, je vais crever de faim. J'ai pas l'intention de recommencer. Non, mais lui, je lui fais tellement pas confiance. Moi non plus, en fait, moi je le vois comme un gouloum. Tu crois vraiment que je vais te croire après ça? Crois-moi, j'ai appris la leçon. Je recommencerai jamais. Menteur. Non, j'y vois pas. Je crois pas, moi. Non, mais il fait que mentir, lui aussi. De toute façon, tout le monde ment, là, dans ce jeu, là. J'ai envie de tuer tout le monde. Oui, il faut tous les tuer, hein. Non, mais... Vraiment. Faut buter tout le monde, là. Allez, du coup, il y a juste à amener ça à Dodger. Et on s'arrête. C'est où la sortie, déjà? Comme ça, on finit le... Ah, on peut passer par là. On finit comme ça la trame. On termine la boucle. Vas-y. C'est à... Bah, c'est en face. Ouais. Je vais me péter les jambes, là, c'est sûr. Moi, je... Oh là là. J'ai débloqué un point de parcours là. Ah? Attends. Ah ça non. Ça va plus tarder, hein, c'est toi, non? Bon, moi j'ai pas débloqué, je pense que ça va pas tarder. Augmentez votre vitesse lorsque vous franchissez des obstacles tels que des pentes franches. Oh, ah, ça c'est pour vraiment dynamiser les mouvements. Ah, ça c'est quoi? C'est vrai, ou les obstacles? Pour vous appuyer dessus et sauter plus loin. J'ai du mal à cerner vraiment la différence entre les deux. Pas de mentir, j'ai pas trop écouté. Bah, tu le verras quand tu auras ton choix par rapport aux images. Oh, le saut lointain a l'air quand même bien stylé, mais toucher F en sautant au-dessus d'un obstacle pour exécuter cette action. Bon, on va le tenter, mais... Regarde, si j'ai pas le point, on sait jamais. Peut-être j'ai pas prêté attention. Non, je l'ai pas encore. Ça fait ça, en fait, mon truc. Ok. Ah oui, point de parcours, il est full bleu quasi. Oh là là. C'est ouf ou pas? Non, c'est juste que j'ai eu chaud. Ah ouais? Ouais, non, en vrai, bah c'est...
En fait, quand je passe par-dessus un obstacle, au lieu de juste genre passer dessus normalement, bah j'appuie sur F en fait à ce moment-là et ça me projette en fait en avant assez loin. Donc ça peut être franchement ça dynamise ouais. Ça ouais. peut dynamiser. Juste je sens qu'au prochain épisode j'aurais oublié que j'avais cette touche, je le ferai jamais. Mais en vrai ça peut être stylé. Ça peut permettre ouais, d'accélérer un peu la chose. Oh là là, puis l'autre qui ment là, j'en reviens pas. Bon, on va y aller hein. Bonjour monsieur. Aiden, qu'est-ce que t'as pour moi? J'ai trouvé ces filtres. Oh, ok. Rien de bien extraordinaire, mais je devrais pouvoir les écouler pour un bon prix. Et ça? Une bouteille de cognac et une boîte de cigares. Mais ça, c'est parfait. Tu vois, je savais bien qu'il y aurait quelque chose de valeur dans cette base militaire. T'as vu ça, Urban? J'ai le nez pour le bon matos, pas vrai? Excellent. À propos... C'est quoi le trip avec Hubert? Il voulait m'entuber? Oui. Je l'ai aidé et j'étais machandé. Hubert voulait t'escroquer. On va pas dire ça. Bah si. Ah ouais? Bah moi il m'énerve là. Il fait que nous mentir là depuis le début. On doit lui courir après à chaque fois. C'est bon, il veut entuber tout le monde lui. Ouais, bon bah vas-y. J'en ai marre d'être gentil. Ouais, t'as raison. Hubert allait te voler. Il allait quoi? Oh là là. Il allait dire que tu lui avais donné une fausse piste avant de garder la marchandise. Il a payé un gang pour que ce soit plus crédible, mais ils se sont retournés contre lui et ils lui ont cassé la jambe. C'est pas possible. T'es tu vois foiré sans cœur. Tu me plais bien. Oui, mais il va aller le faire pendre maintenant. Quoi? Oui. Et Hubert la poisse. Tu sais ce qu'on dit? Crois en Dieu, mais casse la patte à ton cheval au cas où. Guten Tag. Ah oh quoi? Ce psychopathe bosse pour toi? Bah tu vois, on a bien fait par contre. Eh bien, oui. Deux solutions valent mieux qu'une. Tu voulais me tuer? Qui a parlé de tuer qui que ce soit? J'ai juste dit à Klaus de récupérer la marchandise. Il lui arrive d'être un peu trop zélé. Abruti. Voyons, fais pas la gueule. Regarde Klaus, il t'en veut pas pour avoir tué ses amis. C'est la sélection naturelle. T'as prouvé que t'étais plus fort qu'eux. Tu t'es avéré plus qu'utile après tout. Je savais pas comment atteindre Hubert, et c'est là que t'as débarqué. J'ai attendu que tu partes, et je lui ai rendu visite. Qu'est-ce que tu lui as fait? Il souffrait vraiment à cause de sa jambe cassée. Du coup, je lui ai cassé l'autre, pour équilibrer les choses. C'est ce qui arrive à ceux qui tentent de rouler Dodger. Ouais, j'imagine, mais c'est pas un peu extrême? Eh bien, il risque pas de retourner gambader sur les toits. Mais il peut toujours tenter sa chance comme professionnel du bras de fer. Il a insisté pour que je te remette la marchandise. Et alors? Qui vole un œuf, vole un bœuf. Duralex, c'est l'ex. On vit une époque difficile, et la loi se doit de l'être également. Il a déjà appris sa leçon. Il a dit qu'il recommencerait pas. As-tu idée du nombre de personnes entubées par Hubert Lapoisse? Des personnes qui cherchent elles aussi à s'en sortir. Des personnes qui ont des familles à nourrir. Ça fait un bail qui cherche les ennuis. Mais il oui. a eu ce qu'il méritait. Et il n'entubera plus personne d'autre. Ouais, après, là, Hubert, il a merdé, hein. Que la loi, c'est la loi. Et avec le monde qui s'effondre, on en a plus besoin que jamais. Sans elle, on ne vaut pas plus que de simples rats. C'est ça que t'appelles respecter la loi? Mais moi, je suis d'accord, Aiden, en fait. Hein. T'as pas le droit de dire ce que je pense pas. Je vais en informer Karl. Karl? Il osera jamais s'en prendre à moi. J'en sais beaucoup trop sur lui. J'en sais beaucoup trop sur tout le monde. Même Lucas me respectait. Tu crois que c'est qui le responsable de sa mort? Barney? Sophie? Barney et Sophie ne sont que des gamins qui jouent dans un bac à sable trop grand pour eux. Il faut avouer qu'ils sont vraiment tarés. On sait jamais ce qui peut leur passer par la tête. Mais s'il y a une chose que je sais... C'est que la curiosité est un très vilain défaut. Merci pour ta préoccupation, mais j'en ai pas besoin. Sacré tempérament, ça me plaît. On se reverra. Mais j'ai d'abord dû voir à qui j'avais vraiment affaire. Oh, au final, on aurait menti. Non mais, il aurait su directement qu'on avait menti, puisque l'autre c'était son pote, et du coup, on a bien fait. Bah ouais, non mais t'as raison. Ça aurait rien changé pour l'autre, puisque dans tous les cas, il était déjà passé, donc... Ouais,
Ah, écoute, donc, les épreuves, hein. Toi, tes épreuves dans le cul, ou comment je m'en suis sorti? Oh, franchement, la A, réponse A. Allez, on est d'accord. La prochaine fois, trouve-toi un autre pigeon. Ah, il a pas dit pareil. Je pense qu'on se reverra, Aiden. Ouais, c'est l'idée, quoi. Replan sur les fléchettes, c'est parti. Let's go. Et ben voilà. Et ben écoute, on va donc s'arrêter là-dessus. La balle est dans ton camp. Cette annexe, ok. Ah, ça y est. Ah, j'ai level voilà. up. Et j'ai level up sur le combat aussi maintenant. Et du coup, oui, la prochaine fois, on pourra directement discuter avec Sophie, vu qu'elle nous fait confiance. Et oui. Apparemment. Alors, ah, il y a l'attaque puissante. Mais tu l'es en combat ou en parcours, toi? Ah, j'ai les deux. Ok. Bah, en combat, du coup, il y a l'attaque puissante qui serait, je pense, utile, puisque, a priori, elle interrompt les attaques ennemies et bloque. C'est ça, genre, le mec, même s'il bloque et tout, bah, on passe à travers. Et je pense que là, comme on est deux, en plus, il y en a un qui tape dans le dos en mode de bien puissance, ça doit être assez fort. Ouais, après, t'as vu, il y a la parade parfaite. Réalisez une parade parfaite pour désorienter votre ennemi pendant plus longtemps et provoquer un effet de ralenti qui vous permettra d'enchaîner vos prochaines actions plus facilement. J'avoue que c'est pas mal pour la parfaite aussi, mais... moi, je suis plus attaque puissante. Okay, sachant pas mal, qu'on hein. a aussi le coup de pied puissant avec voltige. Mais ça, j'arrive pas à le faire. Ah, c'est dommage. En fait, c'est bah juste ouais, pour c'est avoir possible. Plus de force sur le coup de pied. C'est ouais. quand même efficace ouais, sur les toits, comme il fait le mec, là, comme tu vois, ça le balance en dehors du toit. J'avoue que c'est fort. Hein. Et c'est trop stylé, par contre, le move. Mm. Non, je vais prendre l'attaque puissante, moi, vraiment. Mais moi, prends autre chose. Hein, la parade. Hein, en fait, je me demande, est-ce que toi tu vois en slow-mo ou pas, tu vois? Bah oui, je pense. C'est eux, ils sont stun, tu vois. Donc ça peut être bien, justement, de ne pas forcément avoir les mêmes choses non plus. Hein. Le problème, c'est qu'il faut que la parade soit parfaite. Bon, prochaine fois, faut se souvenir qu'on a débloqué ça aussi. Non, mais je vais prendre attaque puissante parce que sinon, ça sent la douille. Ah, mais il y a beaucoup de points pour le point de parcours. Quoi? Ah oui. Ah oui, et toi, t'as mis quoi, juste pour savoir? Moi, j'ai pris. Le saut lointain, du coup. Ah, mais ça, c'est bien, parce que moi, le nombre de sauts, là, que j'ai raté aujourd'hui... Le prochain... Ouais, mais non, ça va pas t'aider là-dessus. Hein. Bah, pourquoi? Saut lointain... Mais non, mais saut lointain, c'est vraiment quand tu te sers d'un obstacle. Hein. Ah. C'est pas le saut qui est plus loin. Par contre, en dessous, on va pouvoir débloquer le sprint la prochaine fois. Ah, donc ça, c'est cool. Ah, foncez. Mais je l'ai, moi. Je peux ah, le mettre, hein. Ouais, augmenter votre vitesse de course. L'avait. Ah bah tu vois, ça j'avais pas vu qu'on l'avait, j'aurais dû prendre ça du coup. Mais sur une courte durée, ce qui vous permet de franchir de plus grands précipices. Ouais. Ah bah ça oui, c'est ça bon, permet... voilà. Bah justement, ça te permet de sauter plus loin. Et appuyer sur Shift en courant pour profiter d'une accélération de courte durée. Ah bah moi ouais, je prends ça. Non en vrai ça c'est bien, ouais, mais j'avais pas du tout vu qu'il y avait ça, sinon j'aurais pris ça aussi. Ouais. Ah bah tu vois. Bon en tout cas, le Shift toi est bien. On a bien avancé sur ces petites quêtes. Ouais, bah c'était cool.